Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de notre arcade block du mois d'avril. Parce qu'on est le 4 mai, donc oui c'est l'avril. Et je me suis pas fait avoir, il n'y a qu'un seul morceau. Sans plus attendre, parce que ça fait un drôle de bruit, puis j'ai vu que les boîtes étaient quand même vachement poussées. On va traiter ça maintenant. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Test sur les yeux. Ça, j'ai bien ouvert. Il y a quoi? Wouh! Alors, ça, pour la fin. On commence par ça. Ça, c'est classe. Un porte-clé. Un porte-clé coffre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un coffre, c'est une grosse boîte où on met des choses dedans. Ça, plus précisément, c'est un Zelda. Et dedans, il peut y avoir des clés de donjon, il peut y avoir... Enfin bref, plein de conneries. En plus, hop, c'est un arcade block exclusif. Donc en fait, on a le petit logo derrière et tout, c'est cool. C'est un patoche, c'est marqué en gros derrière, bah devant aussi, vous me direz. Je serais curieux de savoir s'il y en a d'autres. S'il n'y a que ceux-là ou s'il y en a d'autres. Alors, j'ai un gros truc là au fond. Non, je vais faire ça avant. C'est quoi ça? Video Game Live. Level 4 Arcade Block Edition. Semblerait que ça soit un truc de musique. Vous savez les enfants, avant les MP3, il y avait des trucs, voilà, qu'on appelle un disque, une galette, qui brille derrière. Qu'est-ce qui brille? Il brille derrière. Ouh, vous voyez tout mon setup. Ouh, exclusif, exclusif. Bref. Qu'est-ce qu'on a bien dedans? Donkey Kong Country, League of Legends, Final Fantasy VI, Cave Story, World of Warcraft, Metal Gear Solid 3, Uncharted 2, Zelda Lullabies, Resident Evil 5, Assassin's Creed 4, Bioshock et Earthworm Jim. Et il y en a deux autres, il y a Chrono Cross et Castlevania Rock Live. Je suppose que c'est les BO des... Les BO des jeux, peut-être, ou les musiques, on va dire, connues des jeux, qui peut être pas mal. Enfin, ça fait 14 musiques, c'est pas mal. Je regarde dans les Special Thanks, il n'y a pas moins. Bon, c'est de la merde, alors. C'est de la merde, il n'y a pas moins, merci, c'est de la merde. Donc ça, qu'est-ce que c'est censé être? Play on the video game. Laissez-vous prendre au jeu sur console et sur web. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais même pas ce que c'est. C'est un Skylander. J'ai rien pour jouer au Skylander. Alors, on récupère le truc sur un support qui va sur la console et on joue avec le truc sur internet. Et on a un code à l'arrière quelque part. Je suppose sur ce paplard-là, il y a un code. Déjà, on va le sortir. Ah, il y a un autre code là. Putain, il y a des codes partout. C'est quoi? Ouais, c'est ce qui explique que si vous êtes l'épileptique, faut pas l'utiliser. Alors, moi je le trouve sympa. À quoi il va me servir? J'en sais foutre rien, mais totalement. À quel moment je vais l'utiliser? C'est pareil, j'en sais foutre rien. On va sortir le truc. Ah, hop là, il y a le petit code. Tu vas rester là-dedans, que personne ne le voit. Ceci me vient l'idée de l'offrir à quelqu'un. Bref, on a la carte du jeu. Flamslinger. Ok, avec le petit autocollant qui va bien aussi. Le petit autocollant des familles et tout, là, machin. Ouais, je sais pas quoi en faire. Est-ce que je l'offre à quelqu'un? Est-ce que je l'offre pas à quelqu'un? Ah ouais, tiens. Bougez pas, on va remettre tout ça en boîte. Hop, il a des commandes, lui. Hop, il est à peu près comme ça. Hop, ouais. Oui, il me semble bien comme ça. Ouais. Hop là. Hop. On mettra un bout de scotch. Donc, concours épisode je sais pas combien. Celui-là, Skylander, pour participer, aimer, commenter et partager la vidéo. Je peux le retrouver. Et je sais pas, moi on est le 4, je dis le 15 mai. C'est un vendredi, ça. 14 mai, jour férié. 14 mai, tirage au sort de toutes les personnes. Et bah, je vous recontacte
Twitter, je sais pas où. Puis bah, je vous l'enverrai. C'est cadeau. Voilà, il sera à la fin de la vidéo, comme toujours. Waouh, sac plastique! Non, mais arrête de déconner un peu. C'est quoi? Pac-Man Salt and Pepper Bolt. C'est cool. J'ai pas de salière chez moi en plus. Ouh, pas de la merde en plus. C'est pas de la merde, mon capitaine. C'est pas de la merde, mon capitaine. C'est de la vraie porcelaine. Paladone. Ça me dit quelque chose. On avait eu des tasses Paladone aussi. Alors, SP. Le poivre en bleu et le sel en rouge. C'est pareil. Le sel en rouge. Quoique c'est pareil pour vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, c'est livré sans sel et sans poivre, ma foi. Sympathique. Ça va bien avec, avec mon Pac-Man. Bon, sauf que. Un peu grand. Un peu grand quand même. Là, j'ai toute mon étagère là. Avec tout. Je ferai un. Je ne l'ai pas montré, je l'ai mis sur Twitter, mais je ne l'ai pas encore mise en vidéo. Bref, sympatoche. Sympatoche. On a un putain de truc au fond. Alors, c'est quoi ça? On verra ça après. Et ça, c'est. Ok, donc, il n'y a plus rien dans la boîte. Il nous reste ça. Il y a un truc à tomber. Voilà. C'est quoi? Rétro Video Gaming. Oh, c'est cool. Tiens. Princesse Lulabi. Ça me fait penser dans la BO, là, il y a Zelda. Zelda Lulabi. C'est pareil. Peut-être un jeu, je sais pas, je connais pas. Par contre, c'est available. Sur Android et Apple. Comment ça s'appelle? iPhone. Ils font. Pas mal. Tout en anglais. Ils font que du rétro. Ouais, il semblerait que ce soit que du rétro. C'est cool. Rétrospective Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Street Fighter 5. C'est vachement rétro. Tekken 7. Un super rétro, quoi. Les classiques, ah les reviews classiques de Street Fighter, Nighthawk, c'est pareil, c'est un jeu qui s'inspire du rétro. Pas mal, il y a combien? 50, 70 pages? 72 pages? Pas mal, à feuilleter, à feuilleter. En plus, ça va, c'est pas trop caché, il y a une belle pub à l'arrière. Voilà, hein, si vous voulez, 10% sur votre première commande, utilisez le code rétro, RETRO. Sympa, ça vaut le coup. Là, ce mois-ci, ça vaut le détour quand même. Et le dernier, pas des moindres, et bien sûr, c'est cadeau. Toujours la petite carte qui dit ce qu'on gagne en performance. Plus 14 de force, plus 5 de vitesse, 18 de stamina, 4 de magie, 2 d'attaque, 12 de défense, 12, 15 d'évasion, 3 de chance et 11 de charme. Oui, c'est quoi? Ah, oh, ça me dit quelque chose, merde. Je fais semblant que je connais Kingdom Earth. J'avais Kingdom. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Il est sobre. Il est sobre. Il est sobre comme t-shirt, c'est cool. C'est cool. J'aime bien. J'aime bien. Et donc cette carte-là, c'est quoi? The cheat code I want to use in real life is. Oh, on peut gagner un truc. Ouais. Bref. Si vous voulez le faire, vous le mettez. Enfin non, vous pouvez pas. Merde, c'est con. Non, dites-le moi, c'est quoi? Dans les commentaires, le cheat code que vous en utilisez, pas le Konami Code. Il va y avoir 200 000 personnes qui vont l'utiliser, ça sert à rien. Après, faut le taguer, puis je le mettrai sur Twitter. Et puis, bah, celui qui aura la phrase, il récupérera le cadeau si on gagne. Hein, on fait comme ça. Bon, les amis, c'est la fin de cette boîte-là. N'hésitez pas, comme d'hab. Enfin, non, pas comme d'hab. Pour une fois, petit concours Skylander. Il était offert avec la boîte, hein, donc je vais pas vous la faire à l'envers, je l'ai pas payé 25 euros, vous l'avez vu là. Un petit commentaire, si vous participez, un petit j'aime, un petit partage, ça fait pas de mal. Moi derrière, ça me permet de mieux participer à la chaîne. Et bah, vu que je suis pas monétisé, bah, je gagne pas plus de sous. Je me suis peut-être fait niquer sur ce coup-là, tiens, merde. C'est pas grave. J'ai plus de son depuis le début? C'est vrai ça? Merde! Bref, on se retrouve très vite pour la prochaine boîte.
faiblesse d'un maudit dernier tango.